Hier, les amis, c'était la Saint-Valentin et ma meuf était trop contente en rentrant du travail parce qu'elle a reçu un mail de Colissimo pour lui dire que son colis de la part de Surprise allait arriver prochainement. Et moi aussi, j'étais trop content parce que ça venait pas de moi, les gars. Elle m'a dit merci, ah, je croyais que t'avais oublié. Et j'étais, moi aussi, je croyais que j'avais oublié. Donc les gars, je sais pas qui veut baiser ma meuf, mais si merde. Qui m'a sorti d'une galère, frérot. Je sais pas si tu vas la ken, mais moi je te suce quand tu veux, mon ref. Hein? Et par effet pendule de Newton, c'est un peu comme si elle te suçait. Transmission des énergies. T'es à une poignée de bite de ma meuf, frérot. C'est à peu près ce que tu voulais, tu vois. Comme les steaks végétaux ultra réalistes Beyond the Meat. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Moi, je te propose une Beyond the Pipe, frère. Tu peux même repartir avec une de CMST. T'as l'expérience globale, mon gars. L'essentiel est là, mais il y a un truc qui cloche. Hein, c'est comme recevoir des nudes de sa sœur. Tant que tu regardes pas dans les yeux, ça passe. C'est tout, les amis. J'ai rien de plus pour ce soir. Je me suis branlé de ouf cette semaine. Donc... Donc désolé. Désolé à tous les fans qui attendent la chronique, mais cette semaine, vous serez frustrés. Après, dites-vous que ça pourrait être pire. Hein, vous pourriez être fan de Pierre Palmade. Et 2 minutes sur Pierre Palmade. Là, t'es pas prêt de le revoir, hein, frérot. L'avantage, c'est que Pierre Palmade, il a quitté la scène progressivement. Tu vois, si t'es fan de Pierre Palmade, tu passes pas de tout à rien. Parce que ça fait déjà 10 ans que si tu vas le voir sur scène, tu comprends un mot sur deux. Donc, t'allais le voir. Toi, tu te disais, chérie, on a oublié de payer Canal ce mois-ci ou Il joue les mêmes sketchs depuis 20 ans, le gars. Hein, le Scrabble, par exemple. Bon, tu me diras, il doit être fort en Scrabble parce qu'il te glisse des mots compte triple avec que des consonnes, le frère. Je sais même pas s'il va aller en prison, les gars. Un tel déchet, poubelle jaune, direct. Il était chargé, le gars, hein. Il était chargé, hein. Même au volant, tu vois. Son passager, il lui indiquait le chemin. Il lui a dit, là, faut que tu prennes la D. Allez, je prends la D. Positif au médoc, à la coke. Si un cobra l'avait mordu, c'est le cobra qui meurt, les gars. Il faisait des soirées C, D, M, D, M, A, L, S, D, positif à tout l'alphabet, le frère. Hein. C'est son test sanguin ou le tableau de l'ophtalmo? En fait, il faisait des soirées chemsex. Il faisait des soirées chemsex, c'est des soirées drogue et sexe. Et moi, je comprends pas le concept, parce que pour moi, ce sont deux notions diamétralement opposées. Hein, drogue et sexe, j'ai fait beaucoup de soirées drogue et mimol, mais jamais... jamais drogue et sexe. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Super bien.